Bonjour à tous et bienvenue sur cette première leçon qui va concerner le slide et la technique du bottleneck. Alors avant toute chose, comme dans toutes mes vidéos, tous les points que je vais aborder ici sont dans la description avec un timer précis, donc vous pouvez directement vous rendre à là ou les parties qui vous intéressent. Je vous conseille également dans un premier temps de regarder ma vidéo où je donne un maximum de conseils pour bien jouer au bottleneck et ma vidéo où j'aborde les accordages en open. Puisque ici, donc, ce que je joue, hein, ce que je vous ai joué, c'est en open de sol. Ré sol, ré sol, si ré. Encore une fois, on peut jouer dans tous les accordages, mais ce que je vais jouer principalement ici, ce sera en open de sol. Voilà, donc c'est pour moi, hein, c'est une histoire de préférence. Donc je ne vais pas aborder ici comment on joue en open de sol. Je vais vraiment aborder uniquement la technique au slide et au bottleneck. Bien, alors en premier lieu, comment bien tenir son bottleneck? Votre bottleneck, il va remplacer vos frettes. Donc le but, ça va être de faire en sorte que lorsque vous jouez, il soit parfaitement parallèle aux frettes. Sinon, vous n'allez pas obtenir un accord juste. Si je le tiens par exemple comme ceci, hein, vous allez voir. Accord faux, ici. Accord faux. Cela dit, on peut obtenir des effets très intéressants en faisant ça. Voilà, ça fait un peu comme un vieux vinyle, mais bon, c'est pas la question qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de réussir à poser le bottleneck parfaitement parallèle à nos frettes pour obtenir un accord majeur bien juste. Autre chose, lorsque je joue sur ma chanterelle, la chanterelle c'est la corde la plus aiguë, hein, vous voyez que mon bottleneck je le tiens pas comme ça, je le mets pas sur le manche, je le mets légèrement comme ceci pour qu'il ne puisse toucher que la corde qui m'intéresse. Et donc, à partir de là, vous voyez, je le mets un petit peu plus en biais comme ça. Comme ça, il ne touche pas les autres cordes. Il y a un léger angle, vous voyez. C'est comme si ma corde aiguë, elle était comme ça. Et mon bottleneck, il venait la toucher comme ceci. Pour ne pas avoir à toucher les autres cordes. Comment produire une note au bottleneck? Alors, très souvent, d'instinct, nous, voilà, on joue avec nos doigts, on frette les notes. Donc, on appuie bien fort, en général, sur la corde pour qu'elle se retrouve bloquée ici au niveau de la frette. Et c'est la frette qui va nous donner, qui va produire la note. Si je joue, par exemple, à cet endroit de la frette, ici, ça ne va avoir aucune influence sur la note. Alors qu'au bottleneck, pour produire une note au bottleneck, dans un premier temps, je ne dois pas appuyer sur la corde, je dois tout juste poser mon bottleneck de sorte qu'il va remplacer ma frette, véritablement remplacer ma frette. Donc je me contente tout juste de le poser, et le but ça va être de trouver la bonne pression pour qu'il appuie sur la corde suffisamment pour produire la note, mais pas trop non plus, parce que sinon la corde va appuyer sur la frette, et c'est pas ce qu'on veut, sinon on va obtenir un son un peu brouillon. C'est pas du tout le but. Il faut tout juste appuyer. Vraiment, je pose délicatement mon bottleneck, un peu comme si je voulais faire une harmonique, vous voyez. Il faut pas appuyer comme un bourrin. Il s'agit tout juste de poser le doigt sur la frette et de lâcher de suite après. Le bottleneck, c'est un peu pareil. Il faut vraiment trouver la pression pour que la note soit produite. Si vous obtenez un léger buzz, c'est normalement parce que si vous obtenez un buzz juste en faisant la note, c'est que vous appuyez pas assez. Si vous obtenez un buzz en slidant sur la note, c'est que vous appuyez trop en fait. Il faut vraiment trouver la pression juste. Tout est dans l'équilibre, hein. C'est vraiment, il n'y a pas besoin d'y aller comme un bourrin. Bien, comment faire une note juste? Je vous ai dit tout à l'heure que si on appuyait ici
où ici, ça produisait la même note, alors qu'au bottleneck, pour produire la note que l'on veut, mettons que l'on veuille produire la note qui se situe à la case 5. Pour obtenir exactement cette note au bottleneck, je vais devoir aller pile poil au-dessus, juste au-dessus de la frette. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième frette. Ma cinquième frette, elle est là. Et je vais poser mon bottleneck pile poil au-dessus de ma cinquième. Vous voyez que si je me pose un tout petit peu en dessous, je n'obtiens plus la même note. C'est vraiment... Si je me pose un tout petit peu au-dessus, encore une fois, on n'a pas la même note. C'est vraiment pile poil au-dessus, ça se joue vraiment à rien du tout. C'est vraiment un jeu de précision le bottleneck, hein. Il faut être en parfait contrôle, en permanent contrôle de ce que l'on fait et de où on pose nos doigts, où est-ce qu'on pose notre bottleneck, etc. C'est vraiment un jeu qui se fait dans la finesse et l'équilibre, très important. Autre point, comment obtenir une note propre? Alors, si vous êtes débutant en bottleneck et que vous vous êtes contenté d'appuyer votre bottleneck sur la corde et de slider... Normalement, vous entendez cette note-là, de l'autre côté de la corde. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter. On ne veut pas obtenir quelque chose comme... Mais on veut obtenir vraiment... Comment je fais ça? Ben en fait, il va falloir que vous bloquiez, les Américains disent « damper »,« to damp », il va falloir que vous bloquiez cette partie-là du manche, toute la partie qui se trouve au-dessus de votre bottleneck, avec votre index et tout simplement hein, les doigts qu'il vous reste et qui ne portent pas le bottleneck. Donc, quand je pose ici, vous voyez, j'ai toujours mon index qui vient légèrement se poser sur la corde pour l'étouffer. Vous voyez, comme si je faisais... Ce côté-là de la corde est bloqué. Si je pose mon bottleneck et que je viens poser mon index de l'autre côté, si je refais la même chose sans damper, sans bloquer, peut-être que là, la différence, elle s'entend pas énormément, mais je peux vous assurer que si je mets les 6 cordes... Si je bloque... Notre but, c'est d'obtenir un jeu qui soit le plus propre possible. Alors évidemment, hein, ça demande un petit peu d'entraînement et de technique et on n'y arrive pas tout le temps correctement. Mais le but, c'est de contrôler au maximum ce que l'on fait, au maximum. Bien, alors pour combiner un petit peu toutes ces notions qu'on a vues là, on va faire un exercice très simple. On va faire une gamme de sol majeur sur la corde de ré. Avec le bottleneck, donc ça donne les cases suivantes. Hein, 5, 7, 9, 10, 12, 10, 9, 7, 5, 4, 2 et à vide. Alors on va juste poser notre bottleneck, produire la note juste, hein, donc juste en dessous des frettes que je viens de citer. On va juste produire la note et on va pas slider entre les notes pour l'instant. On va juste attaquer la note et l'arrêter. Comment on l'arrête, hein, je lève mon bottleneck et je laisse l'index juste ici. En même temps que je lève mon bottleneck, si je ne veux pas produire un petit buzz désagréable,
je peux, en même temps que je lève mon bottleneck, bloquer ici avec ma main droite, je suis gaucher mais je parle en droitier, bloquer ici avec ma main droite la corde en même temps que je lève mon bottleneck. Du coup, au lieu d'avoir, j'obtiens. Voilà, je supprime un petit peu ce buzz désagréable qu'il y avait. Donc on y va, c'est parti. 3, 4. Sur la 5. Bien, on va reprendre cet exercice là, sauf que cette fois-ci on va slider entre les notes. Donc vraiment on va faire un déplacement. Je vais attaquer la note avant de slider, ce qui va nous donner. Etc. On y va. 3, 4. Maintenant, c'est qu'on va partir de la 12e et s'arrêter sur la case concernée, ce qui va nous donner. On y va. 3, 4. Chose, mais cette fois-ci en partant de la case 2, donc en montant. Donc ça va nous donner. On y va. 3, 4. Pardon, j'ai démarré de la 4. Exercice tout simple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre un petit peu l'exercice qu'on avait fait tout à l'heure. Sauf qu'on va rajouter la corde de Ré à vide entre les deux. Donc du coup, ça va nous donner. On y va. 3, 4. Thank you.
dernière. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les bases de la technique du slide, du bottleneck. Donc maintenant vous savez produire une note juste, slider, hein, c'est un peu à ça que ça sert aussi, et surtout avoir un jeu propre, comment bloquer la corde pour ne produire que la note que vous voulez. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je ferai comme ça des exercices progressifs et on va aller un petit peu plus loin dans la technique du slide. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien et à la prochaine. Ciao, ciao !